Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau vlog. Nous sommes le 4 décembre. Il est Présentement 14h34. 14h34. On a fini de manger. Et Lindsay se prépare pour aller à la gym. Et du coup, moi, avec ma soeur, je vais décorer la maison pour Noël. Premier week-end de décembre, il faut décorer. Donc on va mettre le sapin. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris à Primark hier. Parce que je vous ai déjà montré dans mon vlog précédent ce que j'ai pris à Stokomani et Jiffy. Voilà, des petits réassorts de déco que j'avais fait. Et hier, je suis allée à Primark et j'ai encore pris de la déco. Enfin, des petits trucs comme ça par-ci par-là. Aussi, j'ai fait des petites maisons en pain d'épices. Je vous ai un peu filmé vite fait le processus, donc ça, je vous le mettrai aussi. Et voilà, c'est parti. Bienvenue dans ce vlog spécial décoration de maison. Et c'est tout, voilà, ça va être vraiment un vlog déco. Et voilà. Alors, là, il faut chercher un sapingo. La première chose que je vais faire, c'est que je vais tout mettre les cartons sur la table, les boîtes, de toutes les décos. Comme ça, je verrai un peu ce que je mets, où je mets. Et comme ça va un peu me donner, moi, des idées. Donc, je vais faire ça en premier, c'est parti. Alors, on a toujours cette boîte, vous savez, où on met toujours toutes nos décos de Noël dedans. Là-dedans, c'est vraiment tout ce qui est coussin, literie, tout ça. Et ça, c'est les derniers trucs que j'ai pris donc à Jiffy et Stokomani. Je vais vous montrer ce que j'ai pris à Primark hier. Je vais profiter. Donc, j'ai trouvé cette petite boule là. Trop mignonne. J'ai trouvé, donc, c'était en lot de deux avec donc, un petit sapin comme ça. Trop mignon. J'ai pris un petit décompte comme ça de Noël en Mickey. Enfin, il est trop cute. Et du coup, bah, Lindsay, elle adore changer les chiffres et avoir son petit décompte. Et la dernière chose que j'ai pris, du coup, ce sont des petites lumières. Comme ça, ce sont des petits photophores qui fait effet un peu bougie. Et en fait, ça, je l'ai pris vraiment pour bah, les petites maisons que j'ai construites hier. Pour que ça fasse un peu comme une illumination. Enfin, je vous montrerai ce soir, ce sera vraiment beaucoup plus joli. Et voilà. D'ailleurs, je vais vous mettre le tuto maintenant, comment j'ai fait ces petites maisons. Bon, alors j'ai terminé la découpe de ma petite maison. Je sais pas si vous voyez. Là, c'est mieux. J'ai terminé la découpe, donc maintenant je vais la retirer et je vais vous montrer ce que ça donne. Et donc des maisons, j'en ai trois. Donc j'ai fait une petite, une moyenne et une grande. Faut vraiment que je la recolle un peu mieux. Celle-ci, je sais pas, le toit, il veut pas rester. Il a dit non, fous-moi la paix, j'ai pas envie. Donc là, je vais mettre vraiment de la colle beaucoup plus forte parce que j'utilisais pour l'instant du double face. Et je vais essayer de faire comme un espèce de petit champ, un petit village de Noël. Vous voyez, dans ce plateau-là. Celui-ci, il faut que je le vide et je vais voir s'il me reste un peu de mousse ou vous voyez un petit peu de coton, enfin pour faire un peu de la neige. Et du coup là-dedans, je vais faire mon petit village de Noël et en dessous, je vais mettre les petites lampes comme ça pour que ça fasse un peu éclairé. Et j'ai des petits personnages
des rennes, des trucs comme ça que je vais voir si je peux planter dedans. Bref, c'est mon idée de base. On verra si ça marche. Ça, je me demande est-ce que je vais pas la mettre, le mettre dans la plante. Je ne sais pas encore, je verrai. Je pense que tout ce qui reste dedans, c'est vraiment sapin. Là, j'ai une petite bougie que je pourrais aussi poser en termes de déco dans mon petit village là. Hop, il me reste des sucres d'orge encore que je vais mettre sur le sapin. Je pense que le sapin, je le ferai avec Lindsay parce qu'elle voulait vraiment faire le sapin. Ici, j'ai un petit plaid de Noël. Je vais voir si je vais vite fait les passer à la machine. Et comme ça, je vais faire un séchage. Comme ça, aujourd'hui, on va essayer de les laver. J'ai aussi une tête de coussin comme ça avec un renne de Noël. Trop mignon. D'ailleurs, j'aimerais bien essayer de faire un truc comme ça, là. Vu que je me suis acheté du flex. Et sur lui, il n'y a rien. Donc, je vais essayer de faire un ho ho ho. Oh là là, ce sera mon challenge du jour. Je vais faire un ho 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 ho. ho. Ho ho ho. Ça, ce sont les rideaux. Et ça, ah bah voilà, je vais utiliser ça pour faire ma petite forêt là. Mais j'avais pas pensé, mais regardez. Il n'est pas du tout repassé. Donc je vais passer un petit peu de steamer dessus. Parce que ça fait vraiment pas joli. C'est très très moche comme ça. Bon, maintenant que j'ai mis tous les cadres, la partie la moins fun et que je déteste le plus, il faut les remettre. Franchement, les impressions, elles ont vraiment bien tenu. Vous avez vu, la qualité, elle est restée toujours pareille. Et ça, c'est cool. Enfin, celle-ci, elle est juste magnifique. Bon, on va changer du coup ici. Je pense que je vais effacer ça parce que vu qu'on est là-bas, je vais écrire un autre petit message de Noël et tout. Oh shit, c'est un peu penché de quelques millimètres. Bon, j'ai rajouté les piles dans cette guirlande lumineuse là et je vais tenter de la mettre sur le rebord juste ici. Ça fait trop sympa.
Bon les gars, il est 18h18 et là on a fait une pause, on a mangé. Comme vous avez vu, on a mis le sapin, Lindsay a mis les toiles. Ma soeur a passé un petit coup d'aspirateur parce que l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis de la neige partout. Bonne idée, slash très mauvaise idée. Du coup, il y en avait partout par terre. Donc là, on va commencer à mettre les boules, les guirlandes et la guirlande lumineuse. Et ensuite, on va faire la petite truc de Noël là, ici. Et après, on aura terminé. C'est vraiment tout blanc et j'adore ça. Et j'ai aimé la première fois qu'on l'a fait. C'était vraiment la folie. Alors, regardez mon petit village de Noël, c'est trop cute. Bon, c'est quoi ça en fait? Ça veut pas tenir, faut vraiment que je trouve une colle adaptée. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est vraiment qu'un détail. L'idée est là. Dites-moi si vous aimez bien. Le sapin. Et son village. Et le petit village là. J'ai retiré les coussins bleus que j'ai mis dans la réserve. On a gardé que les rouges. Là, c'est le plaid que j'ai lavé. Les coussins. Ça, c'est mon cadeau de Noël que je vais emballer, que je vais aller mettre sous le sapin, tiens. Et je vous montre. Du coup, j'avais une quatrième maison que j'avais donnée à l'INSEE. Ben, je l'ai utilisée au final, vu qu'elle fait rien avec, et je l'ai mise ici. Et finalement, lui, je l'ai mis là parce que en bas, l'INSEE, elle arrêtait pas de le shooter. Du coup, ben voilà, c'est plus propice ici. Là, je trouve qu'il manque vraiment une guirlande, donc je vais aller en racheter une autre. Pour que ça fasse vraiment plus touffu. Et il y avait une en rouge aussi, donc rouge et or. Donc je vais voir si je vais en prendre une autre demain. Bon les gars, là on se retrouve du coup dans mon bureau. Et la seule chose qu'il me reste à faire, c'est... je vais floquer du coup mon petit coussin. Alors j'ai du papier thermocollant comme ça. C'est de chez Cricut. Hein. Et puis let's go. Hein. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. Mais on verra. C'est la première fois que j'utilise le thermocollant sur la Cricut. Enfin avec la Cricut. Donc je vous avoue que je fais pas trop la fière. Donc on va essayer. Bon, je sais pas si vous pouvez voir quelque chose. Mais en tout cas, la découpe, elle a bien eu lieu. Je suis trop contente. Je vais essayer de retirer et se lier juste le milieu pour voir. Yes.
c'est satisfaisant à souhait. Bon, je vous montre un peu le résultat. Je suis un peu déçue parce que avant que je comprenne exactement comment faire, j'ai niqué deux flocons de neige et une étoile. Mais bon, bref. Demain, je ferai deux flocons de neige comme je sais comment on fait. Bon, les gars, moi, je vais vous abandonner ici. J'espère que cette journée de vlog spécial déco vous aura plu. Sachez qu'il est 22h45 et je vais me toucher. Je pense que je le mérite, là. Donc, écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye! À après-demain pour un nouveau Vlogmas!